j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Moi, ça a été. Ouais. On va faire une petite carte ensemble avec les dives de chez Action. Oui. Alors, je vais me servir de la petite fille sur les livres. Et j'ai pris le dice de bordure, petit cœur comme ceci. Voilà. J'ai pris mon tampon fétiche écriture. J'ai pris celui-là aussi hein, qui vient de chez Action pour les coins. Voilà, j'ai fait des découpes. Tout ça, j'ai déjà préparé hein, quand même, hein, parce que les découpes, c'est long. Donc, j'ai pu tester la machine de découpe, la nouvelle de chez Action. Elle est top. Mais j'ai l'impression que les plaques s'empruntent un peu plus que les anciennes. C'est peut-être moi. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Elle marche super bien, facile à tourner. J'ai rajouté ma petite plaque métallique dedans. Ça va nickel. Voilà. Bon, allez, j'arrête mon blabla. Je bois un petit coup de café dans ma jolie tasse que je vous ai montrée dans mon hall. Hop. Et je vous mets sur mes mains. Allez, on y va. Hop. Voilà, donc j'ai tout mon petit bazar ici. Donc j'ai pris une base craft de 12 sur 12 et une base blanche de 12,5 sur 12,5 qu'on va mettre de côté. On s'en occupera tout à l'heure. Voilà, alors vous choisissez bien le bon côté hein, parce qu'on a un côté plus clair que l'autre. Moi je prends le plus foncé. Donc je vais déjà venir travailler là-dessus. Donc déjà, je vais l'ancrer autour hein, avec ma vintage photo. Hop, qui date, mais elle est nickel, franchement. Là, elle est vraiment top. Pas de soucis. Donc moi, je vais faire un fond avec, enfin, sur ma base de carte, enfin, sur mon sujet de carte. Je vais faire un petit fond et après venir y mettre mes découpes. Alors voilà, une fois que c'est ancré, on met ça de côté. Donc maintenant, je vais venir mettre un petit peu. Alors je vais mettre mes coins en premier. Ah oui. Alors, je regarde lequel je vais prendre. Alors ceux-là, on les a eu chez Action aussi. Il y a un petit moment hein, déjà. Alors je pense que je vais prendre. Attendez, on va essayer. Bah oui, on va essayer. Je vais peut-être mettre, mais celui-là, il me paraît un peu grand. Ouais. Donc, je ne vais pas prendre celui-là. Bon, je ne mange pas ça souvent, mais il colle déjà plus au papier. Bon, c'est pas grave. Hein. Je vais peut-être prendre le plus fin. Oui, je vais prendre le plus fin. Donc, je vais prendre celui-là. Voilà. Hop, on va faire ça comme ça. Hop. Je prends de la versafine noire. Hein, parce que, voilà. Alors, on a un beau soleil ce matin. Il a gelé encore. Mais bon. Tant que ça gèle, il fait beau. Donc, bon, faut savoir. On peut pas tout avoir. Hop, je viens me centrer. Voilà. Oh. Donc j'ai fait mon petit coin comme ceci. Je vais mettre ça sur le côté. Voilà. Je le nettoierai après. Et maintenant je vais venir prendre mon chouchou. Mon tampon écriture. Mon tampon écriture. Oui. Je l'ai nettoyé donc du coup il recolle. Ici là. Mais bon. Alors, je sais pas si, wow, si je vais prendre ma plaque. Après, je sais pas vraiment dans quel sens il est. Hein. C'est ça le problème. Il n'y a pas trop de sens. Hein, parce que. Alors, je dirais qu'il est plutôt comme ça. Hop, je vais venir mettre un peu d'encre. Hop. Pas partout. Ça sert à rien. Parce que je vais seulement faire un petit peu d'écriture par-ci, un petit peu d'écriture par-là. Allez,
On va en mettre ici. Un peu ici. Mais léger, hein, léger. Hein, vraiment léger. Hop, voilà. Comme ça. C'est top, comme ça. Voilà, je nettoie après. Voilà, vous voyez, un petit coin, un petit coup d'écriture. Et on a un petit fond super rapide et super bien à faire. Donc, j'avais mis un petit bout de sopalin là parce que je vais me servir de la colle. Donc, voilà. Hein. Donc, j'ai fait une découpe avec le dye, les nouveaux de chez Action. Bordure avec les petits cœurs comme ça. Que je vais mettre ici. Comme ceci. Alors, je regarde. Essayer d'avoir un... Ouais, voilà. Hop, je vais venir le coller. Oui. Une petite carte toute simple, hein, vraiment. Hein. C'est juste pour, bah, pour se servir des dies de chez Action. Voilà. Après, voilà, j'ai une copinette qui voulait que je fasse une carte avec ce dies. Donc, du coup, je me suis dit, bah, allez, elle m'a soufflé l'idée. Ah ouais, elle m'a soufflé l'idée, bah oui. Allez, on va venir coller ça au bord. Voilà, j'ai un peu de colca, évidemment, comme d'habitude. Pas évident de coller des petites découpes comme ça. Mais c'est point grave. Hein. On vient, hop, on vient essorer. Et puis ça va très bien. Moi, hein. Oh, ça va très bien. J'en ai mis à côté en plus. Hop. Comme ça. Voilà. Ah. Voilà. Bon, je vais venir couper donc le surplus qui dépasse. Oui, hein. On va le laisser, ça fait pas joli. Mais je voulais que le petit cœur bah, se termine bien en fait. Tout simplement. Hop. Voilà. Lui donner ceci. Bon, ça, je le garde parce que ça peut me servir aussi. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, alors, j'ai fait une découpe de la petite fille en noir. Comme ceci. Mais je l'ai fait aussi en blanc. Et je vais vous dire pourquoi. Vous allez voir pourquoi après. Parce que je vais remettre les livres, les découpes du livre. En blanc. Eh oui, en blanc. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Hop. Allez, on va déjà coller la petite fille. Moi, je veux que je mette de la colle dans un petit bidon. Les aiguilles, là, parce que celui-là, il est super, hein, vraiment, pour la purpose. Ça tient le coup. Excusez-moi, j'ai eu un message. C'est pas grave. Mais c'est vrai que ça coule un peu vite. Mais bon, c'est pas grave. Donc je vous remercie. Je vous remercie pour tous vos gentils messages. Je souhaite la bienvenue à nos nouveaux amis. Je suis content, ça remonte un peu. Je me suis dit, oh mais même plus. Non, je plaisante. Voilà. On va la mettre ici, comme ceci. Donc, je vous souhaite la bienvenue, mes amis. N'hésitez pas à vous faire connaître. Hein. Ah oui, parce que bon, on ne peut pas connaître tout le monde. Hein. Ah non, on ne peut pas connaître tout le monde. Alors, j'ai un peu de colca vomi là. Je l'enlève parce que bon, elle se... Se gomme. Hein. C'est plutôt bien. Hop, voilà. Comme ça. Alors, ce que je vais faire par contre, je vais réancrer un petit peu les petits cœurs là. Ouais, 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 ouais. Là, j'aime bien. Un petit peu marronné comme ça. Voilà. J'ai un peu de colle. Voilà. Regardez. Pour l'instant, c'est tout simple. Hein. Et maintenant, on va venir recoller les petits bouts de livres dans les livres. Alors là, ça c'est... Ah bah c'est quelque chose. C'est un puzzle. Un puzzle de livres. Hop. Ah là là.
Donc, je vais en faire un petit bout, un ou deux avec vous. Je finirai de coller le reste hors caméra parce que franchement, ça va être super long. Il faut tout retrouver. Hein. Oui, il faut tout retrouver. Donc, non. Là-bas. Alors, est-ce que c'est là? Ah, c'est là peut-être? Non. Non, 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 non. Non, non, non. Ah mince alors? Non. Ah. Non. Parce que bon, ben, vous savez, il faut les mettre dans le bon sens. Hein. Voilà, ici. Comme il me reste de la colle en dessous, je pense que je vais en mettre un petit peu quand même. Donc voilà, je vais m'amuser à recoller toutes les petites découpes des pages de livres d'une autre couleur. Bah oui, ça va faire sympa. Hop. Comme ça. Voilà. Allez, c'est parti. Ensuite, je vous dis, c'est un jeu de patience, hein, comme un puzzle. Hein. Oui, oui, un puzzle. Un petit peu de colle. Bon, alors, où il coule de trop, on ne veut pas couler. Voilà. Comme ça. Donc, ça va nous donner à peu près ça, je vous montre. Donc, je colle tous mes livres et je vous reprends. Donc, voilà, j'ai collé tous mes petits livres, donc, blancs. Allez, ça ressort bien comme ça. Hein. Moi, j'aime bien. Hein. Voilà, on va s'occuper des petits chats. Pareil, j'ai découpé deux petits chats. Un noir et un blanc. Parce que je voudrais faire, en les collant l'un sur l'autre, comme une ombre, en fait. Comme une ombre. Donc, je vais déjà coller le noir. Allez, le noir. Après, j'ai gardé la découpe de la petite fille en blanc. Puis évidemment, les découpes des livres sur fond noir. Hein, pour voir, hein, pour en refaire une bah, d'une autre couleur. Hein. Bah oui, bah oui, bah oui. Hop, j'étale ma colle parce que franchement, elle coule de trop celle-ci. Hein. Elle coule de trop, elle coule de trop. Alors, on va mettre le chat comme ça, voilà, hop, on va voir le blanc, comment on va le coller, histoire de faire un peu une ombre comme ça, hein, voyez, après je suis pas la pro de la découpe une sur l'autre pour faire des ombres. Bon, j'essaye. C'est la première fois que je vais ombrer une découpe. Je sais pas si ça se dit d'ailleurs. Mais c'est pas grave. Donc laissez le noir apparaître. Hop. Ouais. Comme ça. Alors ça nous donne ceci. Et ça fait une belle ombre hein, dans la caméra. J'aime bien. Voilà. Maintenant, on va venir coller. Alors là, c'est... Parce que j'ai découpé aussi le petit, les petits mots qu'il y avait avec. Qu'il y avait avec. Hein. Oui. Et comment vous dire que pour le coller, on va quand même pas être triste. Alors, je vais déjà enlever... Il reste des petites. Par contre, les dies se découpent super bien. Oh, franchement, là, découpe super bien. Bon, après, il y a les toutes petites empreintes dans les lettres, vous savez, le E, le L, tout ça. Bon, ça, c'est pas très grave. Hein. Mais bon, il va falloir que j'aille chercher autre chose pour pouvoir les coller sans faire trop de marques de colle. C'est vrai qu'après, la colle, ça se voit. C'est pas terrible, terrible. Hein. Bon, pas grave en soi, mais bon. Si on peut faire autrement, on fait autrement.
Voilà, j'ai retiré tous les petits, les petites choses du E, des O, des E et des L. Donc, c'est plus joli. Voilà. Hop. Donc, je vais chercher quelque chose pour coller ça et je reviens. Donc, j'ai été chercher ça. Ils vendaient ça chez Action à un moment, mais il y a un moment déjà. Hein. Et je pense qu'ils n'en font plus. Parce que j'en ai jamais retrouvé. Moi, il m'en reste. Hein. Quand il coule vite aussi. Oh là là. C'est pas possible. Sticker. Voilà, on va bien étaler. Alors, on va mettre Love. Comme ça. Ouais. Après. Ah, il s'est déchiré. Ah, non. Attendez. Non, c'est bon. Ça va le faire. Hop, je vais le remettre à sa place. Ah, c'est pas possible. Hein. C'est toujours quand on est en vidéo que ça merdouille. Voilà, je vais retirer le petit bout de colle qui est là, là. Voilà. Love. Non, c'est bon, c'est bon. Oui, parce que la colle qui est dedans là, ben elle colle bien. Ah non, c'est pas vrai aujourd'hui. Alors je l'avais amorcé sur le côté de mon tapis. Bon, comme ça, ça évite de trop couler, d'amorcer sur la découpe. Je me suis dit, ça va être plus, mieux. Bah, pas tant que ça, hein. Pas tant que ça. Alors, two. Voilà. Red, je sais pas. Mon anglais laisse à désirer, n'est-ce pas? C'est pas grave. Allez, hop. Allez. Alors, j'ai un truc noir, évidemment. Oh, voilà. C'est pas top, ce truc-là, quand même. Hein. C'est moi qui sais pas m'en servir. Hein, parce que c'est possible aussi. Hein. J'ai pas l'habitude de me servir de ça. Hop. Après, s'il y a un peu de colle qui dépasse, c'est pas grave. Je viendrai avec ma gomme magique. Pour gommer l'excédent de colle au cas où. Je ne vais pas trop le toucher parce que je vois que c'est assez fragile. Et que, ouais, il reste un peu de colle là, sur mon tapis. Là, il faudrait que je me fasse une boîte là, mettre de la colle dedans là, pour les petites découpes comme ça là. Ouais. Parce que là, c'est vrai que. Quoi qu'on prenne, c'est un peu casse-pied quand même. Hein. Pour les toutes petites découpes comme ça, c'est pas top, n'est-ce pas? C'est pas top. Hop. Relax. Voilà. Hop, on va prendre ça, mais sans. Voilà, en appuyant seulement. Ouais. Moi, je trouve ça super joli. Ouais, je trouve ça super joli. Voilà, ma petite carte. Alors, on va le mettre sur la base de carte. Là, qu'on va ancrer aussi, hein, bien sûr. Ah oui, on va ancrer. Oh, je vous ai fait bouger, excusez-moi. Hop. Ah. J'arrive. Donc désolé. Donc je vais coller. Allez. Parce que du coup, je dois partir. Ah bah oui. Comme ça. Bah oui. Donc je dois partir. Mais bon, j'ai 3 minutes pour finir.
Voilà. Hop. Donc, je vais la laisser comme ça. Bah, ouais. Parce que je la trouve trop mimi. Regardez. Avec les livres en blanc, là, c'est génial. Voilà. Donc, voilà pour ma petite carte. Pas compliquée en soi. Hein, pas, voilà. Le servir de ces dies. Et ben moi, j'aime beaucoup. Je te remercie, ma bichette, pour l'idée que tu m'as donnée. Franchement, trop, trop bien. Donc, voilà, mes amis. Sur ce, je vais vous faire des gros, gros, gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!